Jour de rentrée peut-être pour vous en ce lundi 7 septembre, jour de rentrée également pour Yanis Lucas et sa chronique Le Chiffre de la Semaine. Salut Yanis. Salut Gaëtan. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Bah on est reparti pour une nouvelle saison. On est reparti, oui oui. Comme chaque lundi désormais. Alors aujourd'hui on entame la semaine 37. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la semaine 37? Ah bah écoute, pour un jour de rentrée, bah ça tombe plutôt bien. Ce qui fait le chiffre 1, donc le renouveau. C'est vrai que le 1 annonce cette période de renouveau, une nouvelle étape dans les gens qui reprennent le travail, les écoles, les universités, etc. Une période donc d'action. Ouais. D'action. Et puis, on va gérer les choses. Hein. Il faut le 1, c'est également être face à soi-même, gérer, trouver les idées, démarrer. Le redémarrage. Le 1, le redémarrage. Alors, il faut noter que jeudi, c'est le dernier quartier de lune. Et oui. Alors, ça veut dire c'est une lune, alors ce qu'on appelle la lune descendante. Mmh. Donc, la lune va décroître. Donc, la décroissance de la lune, ça va donner une période d'introspection un petit peu. Donc, on aura peut-être une énergie, le 1 est fort, la lune qui descend va apporter une introspection. D'accord. Une douceur aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Un petit peu de mal à redémarrer, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. Ouais. Après les vacances, c'est pas dur, évident, c'est vrai. C'est un petit peu dur, effectivement. Eh ben merci pour toutes ces infos, Yanis. Ok Gaëtan, avec grand plaisir. On t'en retrouve évidemment le samedi, chaque samedi matin, la voyance en direct de 10h à midi. Et puis on se retrouve également dès lundi prochain. À plus Yanis. Ok Gaëtan, à plus.